Yo les gens, ici Rafistan 1650, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tourist Bus Simulator. Donc désolé si je vous faisais pas beaucoup de vidéos en ce moment, c'est que j'attendais les DLC pour retourner sur le jeu, parce que voilà, du moment qu'il n'y avait pas les DLC, moi j'avais pas l'intérêt de revenir sur le jeu, parce que j'ai fini le jeu, j'ai plus que le platine à finir, mais en gros j'ai fini le jeu, il me reste quelques trucs à faire encore, mais je voulais pas m'acheter un double bus, vous voyez, par exemple, au niveau mes bus, j'ai 4 bus, donc j'ai un BB40, j'ai le Malion City, Intercity R62, j'ai un coach de génération, j'ai le Neoplan Skyliner, mais je voulais pas acheter un nouveau bus. Pareil, vous voyez, soit un 61, 60 ou un C, je voulais m'acheter un nouveau bus. Donc c'est pour ça que j'attends. Donc voilà, c'est parti, on est par la vidéo du coup, en vue du sujet. Donc c'est pour ouvrir les deux coffres qui se trouvent ici, donc les deux conteneurs qui se trouvent ici, ils sont à la mine souterraine. Et les deux conteneurs vous apportez aussi une porte qui pourra vous déverrouiller cette pièce de buggy ici. Donc on va y aller. Je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo. On y va. Donc on va descendre l'escalier, le timon de charge. Un timon de charge à descendre. Donc je vais me dépêcher, je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Donc dès que vous arrivez, vous prenez comme moi à votre gauche. Oui, c'est ça, à votre gauche. Et vous montez l'escalier. Après, vous pouvez monter par là aussi. Hein. Attendez, je crois qu'il y a un petit passage par là. Vous pouvez monter aussi par là, je crois. Vous n'êtes pas obligé de monter par l'escalier. Vous pouvez monter ici également. Donc en montant par la terre. Ici, voilà. Alors je pense qu'il y a peut-être des morceaux de cartes à trouver, mais j'ai pas vraiment cherché encore. Hein. Je fouillerai plus tard de mon côté. Mais il doit encore avoir des morceaux de cartes à trouver ici. Hein. Je pense qu'il y en a. Ah. Tu en as un indice, voilà, il y a une carte déjà. Donc là, il y a un indice. Donc ça, je vais pas le faire. Hein. C'est les indices pour trouver le code. Mais moi, je connais déjà, je vais pas m'amuser. Donc le code, c'est, premier code, c'est 3962. 3962. Vous validez, voilà. Vous avez la cachette ouverte. Donc là, vous prenez l'argent. Vous avez les 5000 à chaque fois. Hein. Alors, je sais pas s'il y a une carte là-dedans. Je pense pas qu'il y a une carte. Il n'y a pas de carte, je crois, ici. Non, non, je crois qu'ici, il n'y a pas de carte. Ah, attendez. Non? Il me dit un truc là à chaque fois, attendez. Ah merde. Il me dit qu'il y a un truc mais je peux pas le prendre. Ah. Il me dit qu'il y a un truc mais je peux pas le prendre. Ok, bah. Ah, attendez. Bon, c'est bizarre, il y a sûrement un bug à mon avis. Ah merde. Bon, c'est pas grave. Donc il y a ça à ouvrir du coup. Ça, vous pouvez le valider. Voilà, 1 sur 2, voilà. Donc ça, ça va ouvrir la porte pour le truc, du coup, que je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, il doit y avoir sûrement un bug, il y a sûrement un truc à récupérer, mais je sais pas, ils l'ont mis où, du coup. Selon, on voit rien, en fait. Hein. Bon, il y a sûrement un bug, sûrement. Parce que là, il y a un truc à prendre, mais je sais pas ce que c'est. Débloqué. Ah, bah oui, parce que j'ai débloqué. À mon avis, c'est par rapport au code, ok. Donc là, on va faire le deuxième conteneur, du coup. Du coup, ça a allumé la lumière. Comme vous pouvez voir, ça a allumé la lumière du bâtiment. Donc, on va aller en bas. Je vais vous montrer ça, du coup. Donc, on va quand même fouiller un peu partout, voir s'il n'y a pas des trucs à trouver. Non, il n'y a rien ici. Donc là, c'est mon charge. On va quand même fouiller par là. S'il n'y a pas une carte ici à trouver. Je vais me dépêcher quand même. Je vais quand même... pas que la vidéo dure 3 heures non plus. Bon, il n'y a rien ici. Donc ici, vous allez avoir à votre gauche, alors je pense que ça mène directement à l'endroit que je vous ai indiqué tout à l'heure. Voilà, ça va emmener, on va y aller après. On va y aller après, on va tout ouvrir avant. On va aller au second conteneur, du coup, qui se trouve par là. Voilà, donc il va se trouver ici, planqué. Voilà, juste là, il y a un second conteneur. Donc là, il y a encore un indice. Voilà, je ne sais pas les indices, si ça va à quoi. Hein. Jamais fouillé. Ah, par contre, j'arrive par là s'il n'y a pas des trucs à trouver, non? À mon avis, il n'y a rien ici. Donc, le second code, ça va être ici, du coup. Ah, le second code, ça va être 8157. 8157. Et vous validez. Voilà. Donc, dès que vous avez validé, vous pouvez voir le truc. Donc là, j'en ai trouvé 2325. Il me reste encore deux conteneurs à trouver. Donc, je sais pas, ils sont où les conteneurs, du coup, il y en a un que j'ai pas encore fait. Donc là, il n'y a rien d'autre ici. Donc là, ça a validé. Ouvert la voiture de la porte. Donc la porte s'est ouverte. Donc j'ai pas de truc aussi à trouver. Ah, attendez.
Non, à mon avis, c'est parce que. Ouais, en fait, c'est parce que la porte est débloquée. En fait, c'est écrit débloqué, c'est parce que. Ouais, en fait, c'est pas un bug, c'est la porte qui est déjà découverte. Donc, c'est pour ça. Donc, on va y aller du coup. On va continuer. On va finir la vidéo avec ça, donc ouverture et récupérer la pièce moteur. Et je vais vous laisser du coup. Donc, on va tourner à droite. Donc, là, du coup, il me reste deux conteneurs à trouver. C'est quoi ce truc-là? Est-ce que c'est un indice? Ça peut-être que c'est peut-être un indice. On va aller quand même par là s'il n'y a pas un truc. Non, il n'y a rien ici. Écoute, la lumière, elle est un peu sensible. La lumière du truc, elle n'est pas vraiment. Bon, je vais quand même un peu fouiller quand même. Je voudrais pas trop que ma vidéo dure trop longtemps. Non. Et là, au bout du chemin, vous allez avoir voilà, la pièce moteur. Avoir la pièce moteur en bout du chemin. Voilà, comme ici. Et là, normalement, si vous ne faites pas les deux trucs que je viens de faire dans la vidéo, c'est-à-dire que baisser les deux manivelles dans les coffres, vous n'aurez pas ça. Donc là, pièce de buggy découvert. Je sais pas, j'en suis où, la pièce de buggy. On va aller voir, tiens, on va aller voir vite fait. Pièce de buggy, ce que j'ai découvert ou pas. Parce que là, il me reste encore une pièce à découvrir. Parce que je l'avais déjà fait, moi, la pièce buggy. Mais le problème, quand j'ai dû refaire ma partie, bah du coup, j'ai tout perdu. On va se téléporter là, au siège, en espérant que ça bug pas, que ça me téléporte pas ailleurs. Que ça me l'a déjà fait, ce bug-là, de me téléporter ailleurs. Non, ça n'a pas bugué du coup. Mon véhicule a bien été TP. Donc voilà, c'est ici le buggy. On va voir ce qu'il nous reste. Du coup, il me reste. Alors. Le piston, alors je sais pas, ouais, c'est un piston, l'échappement, le siège, alors je sais pas c'est quoi l'huile et les roues. Donc il me reste 4 trucs à trouver. Donc là ça va être facile, hein, ils vont être dans la map à trouver. J'en ai quelques-uns à trouver dans la map. Donc par contre j'ai deux coffres à trouver, alors, je crois que j'ai un coffre à trouver par là ici. Sur la plage, il y a un coffre ici à trouver, il est par là. Mais je ne l'ai pas encore ouvert, le coffre. Donc faut que j'aille voir dans mes vidéos que j'ai déjà faites. Donc voilà, cette nouvelle vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc prochainement sur la chaîne, je vais sortir une vidéo de présentation de chaque bus. Donc déjà, premièrement, je vais vous sortir la présentation des nouveaux bus qu'il y a dans le jeu avec via les deux packs. Et je sortirai une vidéo où je ferai un petit trajet en mode libre. On va dire des petits trajets vraiment simples, par exemple Porto Rosario jusqu'à ici en bus, d'ici jusqu'à là, etc., etc., d'ici jusqu'à là. Vraiment pour vous présenter chaque bus un par un en détail. Donc pas les variantes, vraiment que les bus, pas les variantes. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. C'est bye bye, portez bien, peace!